FestiDrag Développement remercie ses précieux partenaires pour leur implication dans le développement du sport motorisé canadien. Les produits d'esthétique Silverwax, les produits Rousseau Metal disponibles chez Richard et compagnie, les huiles moteurs Total Quartz, Hôtel Le Concorde, DL Performance, VP Racing Fuel, Globocam dépositaire des camions Western Star et Freightliner, le centre du VR Victoriaville, groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, les produits Permatec et les lubrifiants haute performance Hypertech. Cette émission vous est présentée par Hôtel Le Concorde, Vibe 100.9, Choix Radio X, Silverwax et Rousseau Metal. Bienvenue à FestiDrag.tv en direct du CIMA Show cette semaine, Martin Donjou. C'est-tu Think Big, pas à peu près? Sérieusement, là, on va avoir des beaux montages, on a des grosses vedettes qui s'en viennent, des gros builders, ça va être vraiment hot. Et là, vous comprenez que cette semaine, c'est un spécial hein, sur le Salon Autosport. Donc, on fait un retour sur la 50e édition et on va débuter l'émission avec une rencontre d'un gars que j'adore, un gars de ma ville, Val-Bélair en plus, Gabriel Raté, passionné des années 50. C'est un vrai, non, c'est un vrai. Sérieusement, là, quand tu dis, là, il vit sa passion à 100%. Oui. C'est vraiment ça. Alors, recap, 50e anniversaire Salon Autosport et en deuxième partie d'émission, la première course de la saison du côté de l'Autodrome Montmagny. Tout ça, maintenant, à FestiDrag.tv. Là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Ben, FestiDrag.tv. Oh non, c'est vrai, c'est fait du bruit qu'on dit. Je l'ai oublié. Voici quelques-uns des bons moments du 50e Salon Autosport de Québec. Des dizaines de milliers de curieux et de passionnés ont franchi les tourniquets pour le plus grand Salon Autosport de Québec à ce jour. I'm running your way, but you push me away, your lifeline, losing, losing your mind. I'm here for you, babe. I've loved you the same this whole time, so tell me, what's on your mind? And I'm not here to hear you say you're fine. I can take the pain you hold inside. I wanna know, wanna see it. Can I feel your kryptonite? Can't get this off my mind. Does it only control you? Let me in, I'll help you out. I won't lose you this time. Qui n'a pas rêvé d'un voyage dans le temps? C'est ce que nous propose Gabriel Raté. Si on se parle de ton décor, là, comment tu as élaboré ça? Bien, ça partit avec les deux voitures de Michel Barrette que je savais qu'il descendait, sa Station 56 puis sa Chevrolet 57, reproduit en style NASCAR. Oui. Fait que là, j'ai pensé à ça, j'ai vu ça passer, j'ai dit, bien, à l'époque, il courait encore en 57, il courait encore sur la plage. Puis il y avait tout le temps le monde qui venait visiter avec les voitures à côté. Puis, il y avait vraiment un look de surf car. Fait que, ils ont pu se faire un setup avec du sable pour reproduire Daytona. Parce que non seulement tu as les deux voitures de course à Michel, mais en plus, toi et lui, vous partagez tous les deux une voiture style surf car. Exactement. On a les deux 1956, le modèle Chevrolet, le modèle un petit peu plus haut de gamme qui était le Pontiac. C'est des modèles canadiens, les deux. La Pontiac américaine était différente un petit peu. Puis la voiture, il y a sa 57 de course, mais là, c'est à Dumoulong, la 1960. Un autre passionné là, du coin de Joliette. OK, bon, on sait que toi, tu es prêt à tout pour faire revivre les années 50. OK, tu vis dedans à l'année, on peut dire. Oui. Tu t'es donné le trouble d'amener du sable dans la place, pareil, au Salon de l'Autosport ici. Comment tu as fait ton calcul de poche de sable? Ça a été assez particulier. Je suis allé rencontrer directement là, Sable Marco pour savoir quelle épaisseur, là, d'après ce que moi, je pensais, combien de poches ça prenait. On a monté, on se disait à peu près deux palettes complètes. C'est ça qu'on a rentré. Là. On a 112 poches de sable dans le salon. Non seulement tu fais revivre la course NASCAR sur sable, mais tu en orchestres une toi-même, celle des couverts de valves. Comment ça va jusqu'ici? Ça a bien été. Bien, c'est sûr que c'est un projet, c'est quoi qu'il y a beaucoup aux États-Unis, les courses de couverts de valves. Il y a des places qui font des événements, des journées complètes seulement de ça, des courses de couverts de valves. Fait qu'on avait le goût de ramener ça au Québec. Ça a un lien direct avec tout ce qui est automobile. C'est des courses, les jeunes qui peuvent commencer à seulement miser puis voir, espérer que leur voiture va arriver en premier en bas. Puis en même temps, bien, c'est des sous qu'on ramasse pour la Fondation Cité Joie du Lac-Beauport. Tous les fonds qu'on a ramassés ce week-end pour ça. Gabriel, t'es un cadeau pour tout le monde qui aime le vintage. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Ça fait plaisir.
Parce qu'on dévore la route et toutes ses courbes, il faut que notre voiture soit à la hauteur de nos souvenirs. Il faut maîtriser l'art de prendre soin de notre véhicule avec des produits de haute qualité. Pour rayonner derrière le volant, il faut rouler avec Silver Wax, l'entreprise canadienne de produits d'entretien automobile. Roule avec élégance. Ce segment vous est présenté par les produits Permatex. Pendant que Michel Barrette fait la circulation au Salon Autosport de Québec, j'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de notre porte-parole de cette 50e édition. Michel, comment ça va? Je fais la circulation, les gens me demandent lequel est à toi. Je dis, lui est à moi, puis lui, c'est mon prochain. Mais c'est ça qui est trippant parce que là, on se disait ça, c'est comme là, en ce moment, on a ton Shelby Cobra 1966 derrière nous, mais dans la même section de l'Hôtel de Concorde, il y a d'autres véhicules qui t'ont déjà appartenu. Ils m'ont déjà appartenu. Ici, là, on a la Cobra 66, la Shelby. Et on a la Corvette 64 qui m'appartient, qui est en face. Ça, tout récemment, c'est encore à moi. Et la petite MJ restaurée qu'il y a là-bas sous la tente du Autochat International, c'est mon ancienne voiture. Il y en a deux autres là-bas qui est mon NASCAR 1957 Chevrolet, qui est une réplique exacte de la voiture qui a gagné le championnat NASCAR en 57. J'ai aussi une voiture de surf, c'est-à-dire un Pontiac 1956 Station Wagon deux portes, que j'ai transformé en voiture comme si j'avais 18 ans, blond aux yeux bleus, et que je vivais à Malibu. Puis t'es un surfeur californien. Ouais, mais comme j'ai 62, je suis pas blond, j'ai pas les yeux bleus, puis je suis gris pour ce qui me reste. C'est juste le char qui peut faire quoi que. Qui te donne le look. Ouais. Mais là, justement, là, on les a comme nommés un après l'autre, là, mais on va y aller un par un, OK? J'aimerais ça que tu me parles de ces véhicules-là. On va commencer par celui qui fait rappeler les belles années de Michel quand il avait 18-19 ans. Parle-moi un petit peu de l'histoire de ce véhicule-là. La voiture de ça, c'est une voiture qui a été vendue en Nouvelle-Écosse en 1956 à une dame qui avait une épicerie et qui servait de cette voiture-là pour livrer l'épicerie à la fin de la journée. Les gens qui ne pouvaient pas aller à l'épicerie, qui passaient une commande, amenaient ça dans Station. J'ai retrouvé ça chez un propriétaire de pompe funèbre. Okay. Dans sa cour, je ne dirais pas qui, mais c'est un groupe très connu. Je parle au propriétaire de ce groupe-là qui me dit « J'ai acheté ça d'une madame en Nouvelle-Écosse. » Je le veux. Et finalement, il me l'a vendu. Mais c'était un veau, parce qu'il y avait un 6 cylindres, 3 vitesses à la colonne. Okay. C'était pas une voiture intéressante. Elle était cute, mais je ne pouvais pas aller nulle part. Vous allez moi, donner de l'amour un peu. L'amour. Parfois, j'y laisse original, comme cette voiture-là, son moteur, c'est le moteur d'origine. Mais celui-là, là, je ne perdais rien. Au contraire, je donnais de la valeur en faisant ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai enlevé toute la mécanique au complet. Moteur, transmission, différentiel, échappement, suspension, frein. Et j'ai mis frein à disque, 300 chevaux, petit bloc Chevrolet, transition automatique 4 vitesses, 9 pouces fort en arrière, power steering, power... Mais il n'y a rien qui paraît. Tu regardes à l'intérieur, on est en 1956, là, tout est pareil, mais si tu apprends de ta vie en envers, tu dis « Oh! » C'est la surprise. Oui. Parfois, je fais ça, c'est rare, et parfois, je le laisse 100% original, comme dans le cas de celle-là. Puis là, celle-là, tu t'en es départi tout récemment. Là, tout récemment, elle était passée, bien. Puis avec les bancs minous et tout, moi, j'aime full ça. Bien, ça fait d'époque. Faut qu'on aille voir le minou, tu sais. Ou le minou. Ça, c'est genre là, de ma grand-mère qui disait à mon grand-père, « Là, là, on gèle là, dans le genre. Mets-nous du minou. » Il y a rien de plus que des bancs de cuir. Ouais, on s'est fait scroller après ça. « Mets-nous du minou. » Fait que « Mets-nous du minou », ça a donné ça. Oui, mais c'est vraiment magnifique. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ta Shelby, qui est, ma foi, magnifique. Je la voyais passer sur Internet. J'avais hâte de l'avoir en vrai. Oui, hein, il y a du torque là-dedans. Ça, c'est 600 chevaux pour 2200 livres. C'est un monstre. Elle n'est pas grosse, non, là, fait que tu dois... C'est le même poids qu'une petite Volkswagen coccinelle d'époque. Ouais. C'est même plus léger qu'une coccinelle d'aujourd'hui, mais avec 600 chevaux. À 125 km à l'heure, là, vous descendez d'une vitesse, vous mettez l'accélérateur au plancher et vous... La voiture se met à glisser de même dans la rue. Elle laisse des traces, mais vous roulez déjà 125 km à l'heure. C'est ridicule. Ça, c'est une voiture hyper fiable. C'est un petit bloc Chevrolet, 327 pouces cubes, okay. 4 vitesses. C'est doux, là, ça, là. Ouais. Tu t'en vas avec ça. Oui, c'est une voiture sport, mais une voiture sport, relax. C'est pas une affaire pour vous mettre tout croche dans la rue. Puis c'est vraiment... Regarde-moi la ligne dessus. Regarde-moi le dessin. C'est vraiment magnifique. Là, l'intérieur est tout d'origine, de ce que je vois, là. Tout est d'origine, cette voiture, au complet. Il n'y a rien de modifié. Rien de modifié. J'ai même mis des pneus avec des flancs rouges, parce que lorsque tu les achetais, tu avais l'option d'avoir le flanc rouge comme ça. Fait que là, elle est comme elle était en 64 dans un showroom. Là, je vois même ta petite mallette de paille, là, oui, à l'intérieur. Ça fait cute.
Ça fait ma blonde et moi, on va aller faire un petit pique-nique quelque part. Ah bon, hein? T'as l'air d'un gars qui fait des petits pique-niques. Oui, oui. Là, Michel, on est les pieds dans le sable. On est rendu sur le sable de Daytona et on a voyagé en avant. On a voyagé aujourd'hui, c'est l'enfer. C'est ce qu'on fait, dans le fond, c'est que ce qu'on voit ici, là, c'est le virage nord de l'ancienne piste à Daytona Beach à l'époque où il roulait sur la plage. Il y avait entre 75 et 110 voitures au départ à l'époque. Et en 1957, Chevrolet, sous les conseils de Smokey Unique, avait pris un modèle Chevrolet 1957, modèle 150, un modèle de base, parce que c'était un modèle avec deux portes poteaux. C'est-à-dire qu'au lieu, il y avait cette armature-là, ce qui faisait que la voiture était plus solide, plus légère parce qu'elle n'avait pas d'option. Ils ont mis le V8 à injection, manuel. Alors moi, ce que j'ai reproduit la même chose. J'ai pris les règlements de 1957 de la NASCAR. Au niveau de la suspension, des roues, des pneus, du volant, de la cage de sécurité, des collants, tout ce qu'il y a là, et 1957, pour m'assurer que si on était en 57, je pourrais être légal pour aller faire des courses. C'est la voiture dans laquelle Buck Baker avait gagné à l'époque le championnat, finalement, de NASCAR en 1957. Cette voiture-là, je l'ai roulée, elle aussi, partout aux États-Unis. Vous devriez voir les Américains maniaques de NASCAR quand ils devenaient fous. Aux douanes, cette voiture-là, j'arrive aux douanes américaines, deux douaniers. « Hey, what year is it? A 57, a NASCAR. » Là, il capote. Il dit « Do a burnout. » Fait quoi? « Fais-nous un showboucan. » En ligne. En douane américaine. Je dis « Are you serious? Yeah, do a burnout. » Alors, aux douanes américaines, j'ai rempli les douanes de boucan avec mon oncle Albert et tout le monde qui suivait en arrière des entre-là. Il disait « Qu'est-ce qu'il fait là, Barrette? » C'est qui le fou qui est en train? C'est qui le fou, mais c'est ça. Bienvenue aux États-Unis. Restez avec nous après la pause. Plus de sensations fortes avec le programme LMS du côté de l'Autodrome Montmagny pour vous à festidrag.tv. Motorisé de la capitale, la destination des VR9 à prix imbattable. Aussi superbe inventaire dans l'occasion. Dernière chance, motorisé Villaggio flambant neuf, 30 000 de rabais. Aussi Fifth Wheel Brookstone neuf à 10 000 de rabais. Pour magasiner en ligne, mdlc.ca. Silver Wax, des produits esthétiques de haute qualité pour vos autos, motos, véhicules nautiques et VR. Faites briller et protégez vos véhicules personnels, de compagnie ou de compétition avec Silver Wax. Magasinage en ligne au silverwax.ca. Moment magique en compagnie de Donald Tige. Bonjour, Monsieur Tige. Hey, ça va bien? Très bien. Oui. Je veux tout de suite vous féliciter. Elle est vraiment belle, la voiture, encore une fois cette année. OK, merci. Écoute, on a essayé de faire ça simple. On a décidé de le faire à cause de la COVID, remercier les gens de la première ligne. Oui. Mais le design a été inspiré de celle de Kyle Busch en Super Late au mois de février quand il a gagné à Las Vegas. Je pense que l'amateur de course, il avait besoin d'une journée comme ça. Le pilote surtout et toute son équipe, vous êtes impliqué à ce que ça ait lieu finalement, cette course-là à l'autodrome. T'sais, écoute, on a fait nos devoirs quand je l'avais envoyé à la Sûreté ici à Montmagny pour prendre des renseignements, ça, c'était quoi les règles. Finalement, écoute, il n'y a pas eu de bonne réponse. Il l'a envoyé aux normes santé publique. Et eux, ils ont dit qu'il n'y avait personne dans l'estrade. Mais pendant qu'ils faisaient ce travail-là, moi, j'ai appelé des chums. J'ai appelé Mathieu Kingsbury, j'ai appelé Louis Larue, j'ai appelé Danny Gariepi, Marco Poulain s'est impliqué. Tu sais, tous des chums proches. Je pense que je n'oublie peut-être un ou deux. Puis oui, Bédard, j'ai dit, les gars, il n'y aura pas de course. Voulez-vous nous m'aider? On va mettre un peu d'argent. Moi, je vais en mettre aussi. Fait que, tu sais, on voulait aller aux courses. On voulait craquer Kenny. Puis il l'a dit tantôt au meeting, sans ça, il n'aurait pas fait la course. C'est sûr qu'il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de revenus. Mais au moins, on était quand même allé chercher un bon montant d'argent pour se mettre ses rails puis qu'on aille une course aujourd'hui, amateur de course comme on est. On voulait courser. La compétition est forte. Moi, je pense que ce soir, il y a peut-être une dizaine de voitures présentement qui peut gagner la course. Je pense que ça va tout se jouer au niveau de la patience. Celui qui va garder sa machine jusqu'à la fin va être capable de sauver de la victoire. Son visage ne le dit pas, mais c'est un grand soir pour Dominique Jacques, numéro 67. Es-tu excité, Dominique? Quand même, parce que là, c'est notre première expérience en LMS. On a déjà fait des courses LMS, mais là, c'est notre première en tant que propriétaire de l'auto. C'est notre auto, notre équipe. L'opportunité s'est présentée. On va pas bouder notre plaisir. Effectivement, tu avais vu rouler dans le char de Jean Bilodeau. Ça, c'est ton nouveau bolide. Grand champion sportsman. Pourquoi tu as décidé de faire le switch? Des fois, du changement, ça fait du bien. Puis je pense qu'on était émeux pour ça. T'as un lien
par union avec Raphaël Lessard. Tu lui as donné des conseils quand il était tout jeune en 4 cylindres. Les conseils sont-ils revenus quelques années plus tard à savoir que c'est toi qui t'en vas à LMS? Ben oui, il m'a justement appelé tantôt, puis il m'a donné 2-3 petits conseils, là, parce qu'il a roulé plus que moi en LMS, puis on s'entend qu'il est plus à la même place, fait qu'il est bien placé pour m'en donner des conseils. En compagnie des Bergerons, père et fils, on a eu l'occasion de se voir aux pratiques, messieurs, l'autre jour. Là, on est enfin le jour de la course. Comment ça se passe jusqu'ici? Je commence par le pilote. Bien là, ça va bien. On est deux premières pratiques. On était un peu déçus. On a eu quelques ajustements à faire. Dernière pratique, on est ressorti. On a fait le 5e temps sur 25 voitures. Je pense qu'on avait encore du potentiel à aller chercher sa voiture. Donc, on va voir en qualification, mais je pense que ça va bien aller. Il parle bien. C'est-tu vrai qu'il y a encore ce potentiel à aller chercher? Très. Il y a beaucoup de lousse encore. Puis on y en donne de la corde en masse. Ça va bien. On est venu faire les essais comme qu'on s'est vu cette semaine. Puis là, la voiture est vraiment ce qu'on s'attendait. Il fait attention en voiture, puis on s'en va comme quoi en avant. Sam, on sait que t'as pas le temps pour aller, OK? Tu vas t'en gonfler tes tailleurs, mais là, jusqu'ici, comment ça se passe? Ça va super bien. Première pratique, meilleur temps. Les deux autres pratiques, deuxième temps. T'sais, on a été un petit peu dans le trafic. On s'attendait pas à faire des temps, fait qu'on est super contents là, de déroulement aujourd'hui. Puis écoute, on va essayer de continuer qu'on a laissé passer, dans le fond, encore en avant. Puis ça inaugure très bien encore. T'es bien le seul qui pense que tu vas pas faire des temps parce que t'es le champion défendant, Samuel Charland. Ça rime en bleu. Ah, exactement. C'est sûr qu'on est moins dans la game cette année. Fait qu'on essaie de se motiver tranquillement. Qu'on fait des tours, puis les résultats sont là. Fait qu'on se motive tranquillement pas vite. Là. Ça va arrêter de jaser. Tu vas être en retard. Bonne course. Merci. Voici le calendrier des prochains événements. Le 8 août, c'est le deuxième programme de l'Autodrome Montmagny. Les 15 et 16 août, c'est le DMCC Open Drift de Riverside Speedway Sainte-Croix. Le 22 août, c'est le troisième programme de l'Autodrome Montmagny. Et les 22 et 23 août, c'est le Bracket Super Tour à Écart. De retour après la pause, faites du bruit! NES Safety Shield pour taxi. La cloison protection sanitaire la plus sécuritaire sur le marché. Répond entièrement aux recommandations de la SAAQ. Robuste et résistante à la corrosion, permettant le déploiement du coussin gonflable latéral. NESSafetyshield.com. Vous avez enfin trouvé la voiture de vos rêves. Il va de soi de la protéger au-delà de la mécanique et de la carrosserie. Agaki Assurance de voitures classiques vous offre la tranquillité d'esprit afin de profiter de votre investissement. Pour plus d'infos ou une demande de soumission, agaki.ca. Martin Boilard qui monte le drapeau. On va en faire 125 sur le drapeau vert. Au Québec depuis les 15 dernières années. Un problème d'initiation pour Donald Tige au 36e tour. Jean-Philippe Bergeron en met plein la vue et Samuel Charland prend la deuxième, s'attaque à la perle. On s'en vient dans le trafic. Et retardataire. La peur des Charlands. Bergeron est troisième dans la voiture 18. Et quel beau spectacle également pour Jean-Philippe Bergeron maintenant qui se bagarre dans le top 5. Là, Samuel Charland à l'extérieur de Bergeron. La voiture d'Andéry qui vient de frapper le mur. La voiture est partie de travers et la voiture est immobilisée. Beau duel pour la deuxième place, là. Charland à l'intérieur. Un accident! Un beau spectacle. Un tour à faire pour Patrick Laperle pour sa dixième victoire en carrière.
derrière. Samuel Charlin est deuxième. Et un premier podium pour Jean-Philippe Bergeron. Patrick Lafferre, la peine si on a eu l'occasion de se parler aujourd'hui. T'avais l'air de dire que ça n'a pas bien été, mais la course est toute à toi, premier. Ben oui, mais écoute, je pense que total, on a fait 10 tours de pratique. On a fait 3 tours dans la première pratique, la pompe à gaz a lâché. Après, on a eu des troubles électriques, le char ne voulait plus partir. On a pris une pompe à gaz de Chevrolet, on l'a. On l'a défaite. Il y a quelqu'un dans mon équipe. Puis il a mis ça après. En tout cas, il faut qu'il reste un truc pareil, le tour d'une pompe à gaz. Puis il a mis ça après le Ford parce qu'on avait un moteur Ford. Ce char-là, ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas sorti. T'as toutes les raisons d'être fier, non seulement de ton matériel, mais de ta course ce soir. Félicitations! Non, franchement, là, mon équipe, ils ont travaillé. Là, c'est malade. Je pense que j'ai la meilleure équipe. On est une petite équipe, mais c'est la meilleure, je te le dis. Je veux remercier Framco, puis RTA, pièce d'auto à Montréal. Puis écoute, merci à toute la gang, puis merci Montmagny, puis Festidrive, puis toute la gang. Merci encore, Théo. Samuel Charlin, t'as dû t'ennuyer de ça, un podium cet hiver? C'est plus ennuyé de la victoire, puis c'est pas à soi qu'on la ramène, malheureusement. Écoute, on dirait que Montmagny, chaque fois qu'on se présente ici pour la première fois dans une saison, on n'est pas capable de performer, puis d'habitude, c'est la deuxième qu'on gagne. Fait que d'après moi, le 8 août, on va être prêt à tabarouette, mais à soir, écoute, on pensait d'être performant. On a eu un problème avec l'auto, on n'était pas satisfait. Malgré ça, on a été capable de virer quelques tours à l'avant, mais la compétition était forte, là, puis il y avait beaucoup de monde en arrière qui poussait fort. Fait que, on n'a pas été capable de résister avec Patrick. Patrick, à un moment donné, il est repassé, puis on n'a jamais été capable de un vieux renard. Hein? Donc, non, une belle victoire de sa part. À la fin, il marchait très, très, très bien. Puis moi, écoute, j'étais chanceux parce que je ménageais la voiture puis je gardais mon intérieur parce que Jean-Philippe m'aurait déposé. Là, pour moi, soit c'était une troisième, on va partir avec la deuxième puis la bourse. Puis ça va acheter une table demain avec ma blonde. C'est vrai, vous emménagez. Écoute, ça peut pas juste mal aller dans la vie. Donc, on prend la deuxième, on va retravailler sous le char pour se représenter ça dans 2 semaines. Qui est rendu serein. Hein? Dire qu'il venait pas ce qu'il lançait ses caisses, on le croirait pas. Samuel Charland, félicitations. Le 8, on y croit. Victoire en avant. Yes, sir, on est vrai. Enfin, à cette soirée tant attendue, Jean-Philippe Bergeron, ton premier podium LMS. Ah oui, je pense que c'est vraiment une des plus belles courses de notre vie. Puis on a remonté le char au complet cet hiver. Puis je dois donner le crédit à mon équipe, Richard Forget, Alain Fortier et Michel Patry, qui ont monté la voiture de A à Z. Écoute, j'ai jamais eu une voiture comme ça. C'était vraiment débile. Non seulement ton premier podium, mais ton premier top 5. Ah oui, premier top 5, premier podium. À date, on avait juste eu des sixièmes à Montmagny. Puis même là, les sixièmes, on comptait ça comme des bonnes journées. Donc, on est vraiment content d'avoir emmené la voiture pour le contrôle du Cepero en avant. Écoute, tu sais, dans la vie, quand tu écoutes un film, tu dis il y a un turnover. Est-ce que c'est le turnover dans ta carrière de pilote? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on a démontré à ce soir qu'on est capable de se battre en avant. Puis, on va revenir encore plus fort à la prochaine. Puis, on va essayer de se battre pour avoir la première position. Hey, c'était fantastique de te voir aller, M. Marc. Dans le cœur d'un père, à ce soir, ça se passait comment? Ah, il tournait vite. Je peux te garantir que le cœur, il tournait pas mal vite. Puis, mais j'ai bien confiance en Jean-Philippe. Comme son équipe, c'est une affaire d'équipe, cette affaire-là. Puis toutes les pratiques, on était là. Puis il a mis la voiture vraiment comment Jean-Philippe conduisait. C'était super. Puis c'est sûr et certain que ça n'aurait pas été possible sans Denby, Fisher Pickle, Jussé Perrault, Technoflex, toute cette gang-là. Un peu de trop long contrôle aussi. Puis ça l'a fait ensemble. L'amalgame du groupe a fait que pouf, ça a sorti d'homme une balle, cette affaire-là. Là. Hey, j'ai fait ma ratoureuse en cours de course. Je suis allé vous yeuter. Vous étiez lumineux, M. Marc. Yeah, j'ai encore les yeux brillants, je suis sûr. Encore! Bon, ben je vais vous laisser aller pleurer votre victoire dans un coin. Les gars, c'est émouvant ce soir. Puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on en demande d'autres. Bien, parfait, puis on va vous en donner. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui vais prendre lui. Je te l'ai dit, en plus. Hey, double roue, les gros mags. Hein? C'est-tu ça, Vegas? Ici, c'est légal d'avoir des gros pick-up. Parce que quand je regarde le mien, là, pas mal, il fait windshield de mouche dans le windshield de la vie. Hein? Tu fais pitié à côté de ça, mais même moi, je me trouve petite. Avez-vous déjà vu ça, vous, une Sarah petite? Hein? Moi, c'est rare que je me vois dans le miroir aussi petite que ça. Alors, on continue la semaine prochaine avec Take Two Salon Auto Sport, un spécial 30 minutes, parce qu'on en avait tellement. Bye-bye, là!
Cette émission vous a été présentée par Hôtel Le Concorde, Vibe 100.9, Choix Radio X, Silver Wax et Rousseau Métal. Rousseau Métal et Silver Wax présentent samedi le 8 août à l'Autodrome Montmagny la deuxième course Stocker en 2020. En piste, les classes Hobby, Légende modifiée, Mini Sportsman Michoui International, Sportsman Québec Tech et le clou du spectacle, les meilleurs pilotes LMS. Près de 25 pilotes confirmés, dont les Teach, Guénette, Trépanier, Bouvrette et Samuel Charland. Samedi, le 8 août, c'est à l'Autodrome Montmagny que ça se passe. Collaboration Course Like, les yeux Libertech, Richard et compagnie, Hôtel Le Concorde et Choix Radio X. La destination VR au Québec, c'est Motorisé de la Capitale. Pour achat, réparation ou entretien, mdlc.ca. À moins que vous ne partiez au show, il y a de fortes chances que votre véhicule de loisir passe l'hiver au Québec. Lorsqu'il est exposé au froid, à la neige et à la glace, le fait de rester statique tout l'hiver peut faire beaucoup de mal avec le temps. S'il vous est impossible d'entreposer votre VR sous un toit, il existe un moyen très simple de protéger votre investissement. Utilisez une housse de protection. Les housses pour véhicules récréatifs présentent de nombreux avantages, mais surtout, elles maintiennent votre VR en bon état et vous évitent de passer trop de temps à le préparer lorsque le beau temps est de retour. Oubliez la bonne vieille bâche bleue pour couvrir votre VR. Contactez les professionnels de MDLC afin de trouver une housse qui s'ajuste bien avec votre modèle de VR. Pour la prise de rendez-vous pour l'entretien ou la réparation de votre VR, faites affaire avec VR Pro chez Motorisé de la Capitale, mdlc.ca. Parce qu'on dévore la route et toutes ses courbes, il faut que notre voiture soit à la hauteur de nos souvenirs. Il faut maîtriser l'art de prendre soin de notre véhicule avec des produits de haute qualité. Pour rayonner derrière le volant, il faut rouler avec Silver Wax, l'entreprise canadienne de produits d'entretien automobile. Roule avec élégance. Testé à moins 20 degrés Celsius pendant 5 jours. Voici la cloison Ness Safety Shield. Ness Safety Shield, la cloison protection sanitaire la plus sécuritaire sur le marché. Répond entièrement aux recommandations de la SAAQ. Matériaux de première qualité, cloison et structure fabriquées sur mesure permettant une protection totale et harmonisée avec chaque type de véhicule. Structure entièrement faite d'aluminium aircraft, robuste et résistante à la corrosion. Cloison de polycarbonate 3/16 incassable. Coté de vinyle amovible permettant le déploiement du coussin gonflable latéral. Testé en usine. Fenêtre d'accès avec charnière de qualité. N'affecte pas la mobilité du siège ni la visibilité. Installation rapide et facile. Garantie 1 an sur les pièces. Entièrement conçue et réalisée au Québec. Ness Safety Shield, sécuritaire pour vous et vos passagers. Visitez notre site internet nessafetyshield.com. La saison barbecue est débutée. Passez chez Provico Le Marché Charlebourg et trouvez tout ce dont vous aurez besoin pour un barbecue parfait. Bœuf de l'Ouest 3A, beefsteak vieilli sur place, brochettes, saucisses et plus encore. La destination barbecue, c'est Provico Le Marché Charlebourg. Paraperformance, la référence dans le monde du sport automobile. Que ce soit pour votre véhicule de terre battue, d'asphalte ou de rue, vous trouverez la pièce de performance ou équipement spécialisé qu'il vous faut. Nous sommes les leaders. Visitez-nous à notre magasin de Terrebonne ou au paraperformance.ca. Aztec Camping à Granby est devenu l'incontournable camping par son emplacement rêvé et son choix incomparable de site pour toute la famille, de rustique à VIP. Profitez maintenant des promotions en vigueur en visitant le aztecamping.ca. Tu aimes ton muscle car, ta moto, ton VTT, ta motoneige ou ton bolide de course? Hypertech a l'huile qu'il te faut. Les huiles Hypertech sont la référence dans le sport motorisé. Achetez local avec la fierté québécoise Hypertech. Expérimentez l'excellence. Motorisé de la Capitale, la destination des VR9 à prix imbattable. Aussi superbe inventaire dans l'occasion. Dernière chance, Motorisé Villaggio flambant neuf, 30 000 de rabais. Aussi Fifth Wheel Brookstone neuf à 10 000 de rabais. Pour magasiner en ligne, mdlc.ca. Bon, bon, bon.